came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. À l'âge de 30 ans par un besoin de trouver plus de sens à ma vie. C'est suite à un congé sabbatique d'un an que je décide de passer un diplôme agricole et de m'orienter plus précisément vers l'agriculture paysanne de montagne. Je pratique alors l'élevage caprin et le maraîchage bio. À cette époque, j'élève des chèvres à laine et je me passionne pour le filage des laines précieuses. C'est en 2005 que je décide de retourner sur une propriété familiale d'un hectare en zone périurbaine à Castagnier, à 20 km de Nice, et d'y installer la ferme pédagogique Brin de Laine avec des ateliers autour de la laine pour les écoles et les centres aérés. Alors c'est suite à une rencontre avec une éducatrice spécialisée que la ferme va se transformer en ferme éducative à vocation sociale. Ensemble, on va y développer des accueils réguliers en journée pour des groupes à besoins particuliers. Alors lors des séances, chaque activité de la ferme est séquencée en micro-tâches. Il s'agit d'être responsable de l'enclos des chèvres, ou de l'enclos du cochon, ou d'une partie du potager. On va y ajouter des stages de découverte pour des jeunes majeurs d'instituts médico-éducatifs dont l'orientation est imprécise, et aussi des chantiers participatifs comme la réhabilitation ou la construction d'un enclos, voire le démarrage d'une nouvelle culture. Ça, on va le faire en collaboration avec des professionnels retraités du bâtiment ou de l'agriculture, et aussi en collaboration avec des entreprises solidaires. Well, she's standing there like a rabid dog, and you got
Ce matin, j'ai fait le gâteau yaourt. Et puis, à la fin, j'ai fait la peinture. Là, on fait plus rien. Alors, vas-y, à toi. Tu le plantes bien là et tu abaisses vers en bas. Vas-y, vas-y, t'es bon. Vas-y, continue. Voilà, ça y est. Allez, rebouge un peu et puis là, il doit partir. Voilà, vas-y. Ici, là, 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 là. Tu as la prise de tête, alors. Prends celui-là, je suis qui un peu. Oui, vas-y, vite. Nous avons trouvé que ben, la ferme était quelque chose de très intéressant pour eux. Pour beaucoup, il y en a, ils ont ben, des périodes où ils ne sont pas bien, énervés. Ben, venir à la ferme, ben, ça les calme, ils apprécient. Caresser les lapins, promener les chèvres, voilà. Bonjour, alors Marc, éducateur au centre d'accueil du jour du Trident à Nice. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on vient à la ferme. Avec des usagers pour faire l'activité potager, entre autres. On achète des semis, on les plante, on les repique, et finalement on les récolte, et puis on les cuisine même pour les manger. Alors, forte de cette expérience et convaincue des bienfaits de la nature et des animaux concernant un public vulnérable, je rencontre un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Nice. C'est la deuxième rencontre importante qui va venir orienter le projet. Cet infirmier me parle du besoin et du manque d'hébergement intermédiaire pour des patients qui ne nécessitent plus vraiment d'être hospitalisés, mais dont le retour en famille ou le retour en appartement s'avère difficile sans au moins une étape intermédiaire. Alors sur la propriété, il y a 3 bâtiments que je devais transformer en gîte ou chambre d'hôte. Et là, je choisis de tenter l'aventure humaine et de partager mon mode de vie, mes passions et l'accueil en journée avec des personnes en souffrance psychique dont l'orientation est faite par l'hôpital, mais dont le suivi médical s'effectue en CMP, donc à l'extérieur du lieu. Alors, je n'y connaissais pas grand-chose à toutes ces pathologies psychiatriques, schizophrénie, troubles bipolaires, état limite. Alors, ces personnes, je ne les ai pas regardées comme seulement des malades, mais je les ai plutôt accueillies comme des personnes un peu originales, un peu différentes, sans pour autant nier leur souffrance, mais en valorisant leurs capacités. Et puis, j'ai laissé de côté nos différences pour m'appuyer plutôt sur nos ressemblances. Et j'ai senti que pour pouvoir fonctionner ensemble, il allait falloir créer ensemble. Parce que pour pouvoir vivre ensemble, il faut faire des choses ensemble. C'est ce qu'on a fait et ça a marché. Ce lieu, ils l'ont investi, ils se le sont en partie approprié et ils le font en partie fonctionner. Et ils vont mieux. Moi, c'est Franck. Ben, ça fait 4 ans que je suis à la ferme. En arrivant ici, c'est vrai que bon, ben, j'étais en totale insécurité. J'arrivais pas à sortir dehors. J'arrivais pas à m'ouvrir aux autres. Et depuis, avec bon, ben, la persévérance, la patience et les outils qu'on m'a proposés, j'arrive à vivre à peu près normalement. En plus, maintenant, je prends le bus. Je vais faire mes courses. Je vais au tabac. Je vais boire un café à la boulangerie parce qu'ici, tout est en proximité. Et bon, c'est vrai que bon, bah, je m'y sens bien. Ici, c'est ma ferme, c'est notre ferme. Et nous ne sommes pas que des malades, nous sommes des êtres humains à part entière. Et puis moi, c'est Charlie, la fille de Valérie. Et il y a 10 ans, j'avais seulement 11 ans. J'ai grandi avec eux et cette drôle de famille, c'est la mienne. Et avec tout ce qu'elle m'a apporté, cette famille, je l'échangerai pour rien au monde. Pas vrai? Moi aussi. Et comment ça se passe la vie ici? On vit en communauté et... je suis content d'être là, ils sont contents d'être là, et on est heureux, on est bien.
Bonjour, je m'appelle Betty, je suis à la ferme depuis 2 mois. Je m'occupe de l'enclos des oies et j'ai un grand copain, c'est Gédéon, qui est en train de me pincer. Bon, du fin, comme tu veux. Salut. Je suis Lucette, c'est toujours un plaisir pour moi de venir donner un coup de main ici à la ferme. Franck, chef cuisson qui m'apprend beaucoup, c'est plus lui en fait qui m'apprend que moi qui lui apprend. Voilà. On vous invite à venir nous voir. Nous sommes en train de faire les piliers que nous avons appris à faire ensemble. Et moi, c'est Pascal, bénévole, contrôleur des travaux finis. Dans une ferme de laine vivent des fées, nos mènes qui s'activent, qui cultivent sans dérive. Des râteaux, des pelles s'animent à merveille sur le thème de la bohème et carpe diem. À l'instar de ma mène.